Président du Parti de l'Action Citoyenne par le Travail, membre de la CORED et signataire des 61, avec les 61 partis politiques. Alors, madame, vous avez dit tout à l'heure, le pacte. Aujourd'hui, c'est le lancement de l'exercice national. Vous, parti politique, vous êtes au cœur de cette rencontre. Et dites-nous comment vous mesurez l'enjeu de cette initiative. Je pense que ces assises sont très importantes pour notre pays. Nous avons réclamé ces dialogues depuis plusieurs années. Il était important donc qu'on soit là à cette cérémonie de lancement. Il est vrai que les conditions de préparation de ces assises ne sont pas tout à fait satisfaisantes, mais je pense qu'il faut regarder l'objectif et travailler à partir d'aujourd'hui sur ce qui va nous être proposé pour essayer de faire avancer les choses dans le cadre vraiment du rapprochement des Guinéens, dans le cadre de la vérité historique et aussi, pourquoi pas, le pardon. Nous en avons besoin et c'est pour cela que nous estimons en toute responsabilité qu'il était important d'être là aujourd'hui, d'écouter et ensuite proposer, dire nos désaccords aussi, dire ce qui va, ce qui ne va pas, mais il était plus responsable d'être là. Et c'est à ce c'est dans ce cadre que la CORED, dont le pacte est membre, est représentée largement à cette cérémonie. Madame la Présidente, de passage, lorsque vous dites les conditions, vous reprochez au moins les conditions, et qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment vouliez-vous que les choses soient avant aujourd'hui? On aurait voulu que les TDR soient présentés, discutés. On aurait voulu aussi que les grands thèmes que nous comptons développer, que l'on soit informé suffisamment là-dessus. On aurait également voulu comprendre quel est le cadre de ces assises. C'est vrai que tout ceci manque, mais peut-être aussi dans l'esprit d'une construction de tous ces éléments de manière participative. En tout cas, nous gardons espoir que ces assises vont nous permettre de nous exprimer et de faire avancer les questions qui nous préoccupent en Guinée. Nous savons que la paix est très fragile dans notre pays. Nous savons que nous sommes en période transitoire, une période très fragile. Mais nous avons un pays, nous avons une patrie, nous devons contribuer à les faire avancer. Et ceci est vraiment de notre devoir premier. Alors, madame, certains partis politiques ont décidé de bouder ces assises nationales. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison? Je pense qu'ils n'ont pas compris, c'est ce qu'on vient de dire, les conditions de préparation de ces assises. Je pense que lorsque les uns et les autres seront rassurés à travers les actes prochains qui vont être posés, qui vont rejoindre ce débat. En tout cas, c'est mon souhait. Merci. Le fondement de tout ce qui dure et reste. Dès que la vérité est prononcée, la vraie vérité, le pardon suit automatiquement. Donc, je suis persuadé que tous les Guinéens, d'où qu'ils viennent, d'où qu'ils sont, souhaitent voir ce jour. Et nous souhaitons que ces assises aboutissent comme le rêve voulu par tous les Guinéens, l'unité,
la vérité et le pardon appellent à l'unité. L'unité, ce sera une Guinée unie et forte.